Salut les gones, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Petit débrief en direct des vacances pour moi, petit débrief avec Aurel, Vic et Jules Papigone. On va parler de cette victoire 2-1 sur nos amis de De Treffers, équipe de 3e division néerlandaise. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Aurel, comment tu vas? Eh bien, ça va super, Julien, écoute. On s'est bien régalé, mais non, en fait. Enfin, c'était ennuyeux, mais bon, on a gagné au final, donc on a pris un petit peu de plaisir quand même. On a essayé. Rapide. On a essayé. Comment il va, mon Vic ? Écoute, ça va toujours aussi bien. On était un petit peu impatients de voir ce que donnerait le premier match de Joël. Bon, voilà, ça, on s'y attendait aussi. Ça n'a pas été du grand spectacle, hein, forcément aussi contre une équipe voilà, de 3e division. Bon, pas de grand enseignement à tirer. On va en parler justement. Ouais. Et Jules Papigone, comment il va? Ça va, ça va. Oui, on a vu un match. On a vu un entraînement avec des cages et des buts qui comptent. C'est tout. Ouais, il y a quand même des trucs que j'ai trouvé intéressants. Alors, rapidement, je vais faire comme d'habitude, comme un débrief classique, même si je suis avec une bière à la main et un pouzout, pour ceux qui connaissent directement, qui m'attend juste après. On va faire un débrief quand même. Donc, ce match, il démarre par un Lyon complètement apathique, complètement nul à chier, pour parler propre. Un Lyon aux abois pendant 20-30 minutes. Pourtant, c'était l'équipe 1. Et puis après, ça allait mieux. Les 10-15 dernières minutes de la première mi-temps, on sent qu'on prend un rythme. Voilà, on trouve un Tolisso bien meilleur que les autres physiquement, un Tolisso au-dessus du lot, clairement. On voit Jeffinho aussi qui commence à se libérer sur les 10 dernières minutes. Bon, malgré tout, c'est un match assez neutre. Alors, je ne dis pas de bêtises, c'est en deuxième mi-temps qu'on prend le but. Et puis, bon, Lacazette en jambes aussi, Jeffinho un peu mieux, qui rate l'immanquable en première mi-temps. Mais bon, un match assez soporifique. Je trouvais un Le Penant et un El Arouch un peu en dessous, au milieu, je trouve, dans l'impact physique, je parle. Une défense complètement aux abois sur une blessure de Lovren au bout de 5 minutes. On aurait dit qu'on était perdu. Diomandé, pas là du tout. Et on va en parler de Diomandé parce qu'il y a eu Ndiaye en deuxième mi-temps qui a été incroyable. Alors, c'est vrai qu'on m'avait dit il est bon. Il a mis tout le monde d'accord. On va en parler. Début de deuxième, on prend un but. Bon. La valisette dans le siège des arbitres pour finir à la victoire. Voilà, on a bien rigolé sur le péno. Il offre un péno plus que généreux à nos amis de Treffers. Mais j'ai trouvé l'équipe mieux physiquement. Est-ce que c'est parce qu'il y avait Alvero au milieu en termes de physique, ça mettait tout le monde bien. Un Kadewere aussi, très présent. Et ça, on va en parler. Ça va être un des débats, ça. Tiens, Aurel, tu nous le mettras. Le débat Kadewere ou Sarr. Le débat Kadewere, ouais, je vais l'ajouter. Ouais. C'est vite réglé, hein, je vous le dis tout de suite. Kadewere ou Sarr, le choix est fait. Hein, je vous le dis. Hein. Ça va être réglé en 10 secondes. Pour moi, c'est Kadewere. Hein. Beau petit but qu'il nous met. Et puis, j'ai trouvé aussi coup de Mendy intéressant, mais j'ai trouvé ce Ndiaye incroyable en deuxième mi-temps. Il patron de la défense, hein, mais vraiment. Je vois que ça fait sourire Vic, mais il a mis tout le monde d'accord. Incroyable. Moi, j'ai trouvé incroyable. Ouf! Boum! Assise défensive incroyable, dans les duels aériens incroyable, au sol incroyable. Bon, Alvero solide, duel aérien solide tout court, Ndiaye solide en deuxième mi-temps. Je pense que si en première mi-temps tu mettais Ndiaye à la place de Diomandé, enfin du moins Lovren à droite, Ndiaye en défense, Alvero en 6 ou avec Tolisso et à la limite El Arouch ou peut-être un autre, l'équipe a une toute autre gueule. Et Sarr, remplacé par Kadewere, on va en parler, mais voilà. L'équipe était mieux en deuxième mi-temps, je trouve, globalement, je dirais pas dans l'homogénéité. Je ne sais pas si ça se dit. Mais j'ai trouvé l'équipe bien mieux en deuxième mi-temps en termes de groupe. C'était plus solide, j'ai trouvé. Surtout Kadewere, comme j'ai pu le dire, et Ndiaye, et défensivement, c'était solide. Voilà. J'espère que… Je ne sais pas si vous êtes d'accord dans le chat. On est 400. Mettez-moi les pouces et abonnez-vous. On va commencer. Tiens, on va commencer par Aurel. Tiens, ça change. Aurel. Yes. Un match à deux visages, oui et non. J'ai envie de dire que c'était un peu pareil en seconde période. Bon, le penalty, hein, c'est… Que dire hein. Quel arrêt de Riou dans les pieds de l'attaquant de De Treffers. Oui. Mais bon, penalty sifflé. Et puis derrière, une belle réaction. Le gardien en face nous a bien aidé sur le but égalisateur. Mais bon, Kadewere a fait le taf aussi et ça fait plaisir. je dirais pas que c'est le gardien qui se trompe. Je dirais que c'est Kadewere qui fait le bon geste. Aussi, derrière, il se l'emporte avec lui. Voilà, il se l'emporte avec lui. Et moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant, du moins ce qu'avait fait. Il y a eu des choses intéressantes, oui. D'ailleurs, même Ndiaye derrière aussi qui a fait un bon match. Alvero, c'est un monstre physiquement, ce mec. Hein, ouais, ça promet. Ouais. Ça promet, franchement. On va pas chercher n'importe quoi. Et puis après, derrière, bon, bah, que dire des autres, hein, c'était sans commentaire. Pareil, oui, aussi, oui. Après, j'ai remarqué une chose aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de logo sur le maillot de gardien. Vous voyez, j'ai peut-être des petits détails qui m'ont. Oui, il n'y avait pas de logo sur le maillot de Riou, il n'y avait pas le logo de Lyon, il y avait juste le Adidas sur le côté. Ouais, j'ai remarqué ça, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont remarqué, mais. Voilà. Bon, c'est des détails, mais après, par rapport au match, bon, bah, voilà, hein, c'est une équipe qui a joué 45 minutes, une autre 45 minutes. Il y a des bonnes choses à retenir, des petits nouveaux. Il y a des bonnes et des mauvaises choses à retenir aussi. Il y a des bonnes, ouais. Il y a des joueurs qui ont été très intéressants et d'autres qui n'ont pas changé. Et je voudrais dire qu'il a raison, Xdem. J'ai trouvé le Diawara d'une agressivité quand il est rentré. Je dis, oh, pas son poste, hein, en plus. Hein. Oh là là, j'ai dit, celui-là, il fait pas rigoler, hein, du PSG. Une agressivité, une vitesse aussi. J'ai dit, mais c'est qui cette fusée, quoi? À côté de ça, alors c'est pas le même profil, le même style, mais Sanchez et lui, j'ai l'impression qu'il y avait deux poids, deux mesures, quoi. Tu sens qu'il y en a un qui est prêt, quoi, déjà. Jules Papigone, un petit mot sur le deuxième mi-temps? Oui, oui, bah, comme je dis, ça va être dur de tirer des enseignements parce que. Pour moi, c'est un entraînement où on a joué un match de 90 minutes, enfin 2 fois 45, puisqu'on a mis deux équipes totalement différentes. Elles auraient pu se rencontrer entre elles. 45 minutes. L'équipe de la première mi-temps contre l'équipe de la deuxième mi-temps, tu joues comme ça. C'est exactement la même chose qui s'est passée, sauf qu'on a joué face à une autre équipe. Bon, c'est télévisé en plus, donc voilà. Mais bon, moi si tu veux, c'est vraiment, c'est plus que de l'amical. Il y a rien de. Si ce qui fait chier, c'est Lovren qui se blesse, parce que ça, c'est pas bon. Mais sinon, deuxième mi-temps, je l'ai trouvé plus intéressant que la première quand même. Des bons petits trucs. Tino, effectivement, si ce but peut lui redonner la confiance, ça serait pas mal. Ndiaye bien, le grand là, Alvero, bon, très bien. Ce genre de personnes là, ça te change un petit peu quand même l'équipe. Il y en a qui pensent que il faut changer 8 mecs pour avoir un changement dans l'équipe. Des fois, un mec, ça te change l'équipe. Voilà, il suffit d'avoir un vrai 6 et tes 2-8, ils pourront travailler comme il faut. Quand t'as pas de 6, tes 2-8 sont obligés de faire attention défensivement. Donc ils jouent pas libérés. Avoir un vrai 6, ça peut faire autre chose. Je sais pas, moi j'ai bien aimé en première mi-temps El Arouch. Il a pas été exceptionnel, mais il a fait le job. Donc non, je suis quand même satisfait de ce que j'ai vu. C'était un match amical. Bon, voilà. Il n'y a pas d'intensité. Je pensais que tu allais me dire que Ndiaye était incroyable. Bon, Vic va s'en charger. Hein, parce que si, si, mais bon, mais ça, ce que je veux dire, c'est on n'est pas sorti. Le mec, il fait une super saison à Bastia. Faut pas déconner. Si, tu le connais, mais comme ça dans le chat, il n'y a personne qui le connaît. Oh, tu rigoles, tout le monde. Comme si, oui, bon, il a fait une bonne deuxième saison à Châteauroux. Tout le monde à Châteauroux, tu sais. Le mec, attends, mais Bastia, ils ont fini combien, 4e ou 5e du championnat, et il est le meilleur joueur quasiment. Ah, mais donc, le mec, il a été incroyable. Lui, t'as changé une défense, oui, surtout. Voilà, bah, c'est ce que je t'ai dit. Des fois, un mec, ça te change tout. Donc voilà, c'est bien d'avoir ça, c'est bien de le savoir, parce qu'on est en train de chercher un défenseur central, machin, on se pose des questions. Bah, si rien ne change, on a peut-être qu'il faut la maison. Hein. Tiens, mais on va en parler de ça. Oui. Vic. Bon, il va se régaler là, mais moi, là, tu l'offres sur un plateau là. Là, c'est sur un plateau. L'offre, c'est cadeau celle-là. Les gars, on est 430. Mettez-moi les pouces et abonnez-vous. Vous avez vu, même au fin fond du Portugal, on fait un live. Il n'y a pas de problème. Il y aura des lives et il y en aura un la semaine prochaine, pareil pour Manchester. Moi, ce qui m'a bluffé, parce que bon, il n'y a pas grand-chose qui te bluffe dans un match de merde comme ça. Kadewere qui est 2 fois plus fort que Sarr. Et franchement, on se prend la tête à vouloir chercher un attaquant bis à Lacazette, mais lui, il sait jouer les 2 postes. Le mec, il est irréprochable dans son comportement, de source sûre, on nous l'a dit plusieurs fois. Le type, il dira rien d'être sur le banc. On se fait chier à aller chercher un attaquant numéro 2. Pourquoi pas prendre un vrai milieu offensif droit ou gauche titulaire, Kadewere en remplaçant, et se séparer de Sarr, qui n'est pas au niveau. Et pareil pour derrière, on se fait chier à se dire qu'est-ce qu'on va prendre et tout. Mais quand je vois Ndiaye, alors on m'en avait dit le plus grand bien, et Vic va nous faire son débrief, et que je vois ce mi-temps, je suis rassuré. Hein. Lui, il peut jouer en numéro 3, on peut vendre Diomandé comme ça. Hein. C'est lui qu'il ne faut pas vendre. Parce que lui, on va le vendre, et lui, il va valoir 20 millions l'année prochaine. Hein. Je vous l'annonce, ce gars-là. Futur Lukeba. Voilà, c'est comme Alvero. On a vu qu'il y avait des types quand même. Alvero, il est venu, il a le petit nouveau. Tu sens que le gars, il est à l'aise hein, quand même. Hein. Ça va bien se passer pour lui. Il y en a d'autres. On voit clairement que Da Silva, par exemple. Bon, je pense que lui, ça va être très compliqué de s'imposer à l'OL. Je pense qu'il peut tranquillement aller être prêté ou même être vendu. Ce n'est pas un joueur qui… Moi, j'en tire des enseignements. C'est qu'un match, un premier match amical. Mais franchement, il y a des trucs qui se dégagent. Voilà. Bon, quand je vois notre Laville qui nous met ça, et ben voilà, c'était ton dernier truc, mon Laville. Voilà, tout allait bien. Ce sera peut-être meilleur que le. Ouais. Laville est René. Laville est René. Il y a Girard. Ce sera peut-être meilleur que le duo Awar-Dembélé, peut-être. Le duo JRA-Kadewere. Peut-être. On va voir ce que ça donne niveau mercato là-dessus. Voilà. On a perdu Julien. Si, tu es toujours là, Julien, oui, ou pas? Oui, il revient, il n'y a pas de problème. C'est des petits. Du coup, on peut se poser la question de quel compo contre Manchester mercredi prochain. Est-ce qu'on met une grosse compo avec un mix des deux équipes qu'il y a eu? Ça va être pareil, il va faire pour nous. Non, il va changer, papa. Il va faire deux équipes, mais il va changer. Attends, Vic, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, non, mais moi, je suis obligé de… Parce que c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Abdoulaye Ndiaye, alors il a fait une très bonne saison effectivement du côté de Bastia. Moi, je l'ai regardé un petit peu du côté de Bastia 4 ou 5 fois. Mais alors, je suis quand même surpris aujourd'hui de la prestation qu'il nous fournit. Et puis surtout, cette présence physique, pour moi, c'est quasiment une montagne. C'est vraiment un colosse physiquement. Il est vraiment impressionnant. Et je ne le voyais pas aussi, malgré le fait que je l'ai regardé à Bastia. Mais là, aujourd'hui, je me dis, il a pris en masse musculaire, le mec. Parce que je le trouve vraiment impressionnant. Dans l'agressivité, au duel, physiquement, le caractère qu'il a. Après, je m'enflamme un petit peu parce que c'est que le premier match. Évidemment, il va falloir attendre confirmation sur des matchs un peu plus de haut niveau, on va dire. Mais effectivement, sur un match comme ça, tout de suite, il met un petit peu tout le monde d'accord. Quand je vois que l'OL, ou tout du moins Vincent Ponceau, a fixé le prix de vente à 4 millions, je me pose des questions là. Lorient qui est dessus, Lens qui a pris aussi des renseignements, mais pour moi, faut pas le vendre là. Ce joueur-là, il faut le voir encore un peu en prépa, ce qu'il donne, parce que franchement, sur ce premier match là, pour moi, c'est vraiment du très très bon niveau. Hein. Pour moi, c'est vraiment un colosse. Après, faut pas s'enflammer évidemment, mais moi, je le trouve vraiment impressionnant. Après, il y a aussi le petit Shaïb qui m'a pas mal plus, je le trouve très tonique. Après, il a encore des lacunes défensives, forcément. Et il est très porté vers l'avant aussi. Donc voilà. Mais Alvero aussi, on sent que physiquement, c'est assez impressionnant. Après, je pense qu'il a encore un petit peu de déchets techniques. Mais voilà, bon, c'est qu'un premier match. Il ne faut pas non plus tirer de conclusions hâtives. Mais vraiment, Abdoulaye Ndiaye, pour moi, il faut vraiment continuer à lui donner sa chance. Là. Moi, il y a quand même deux enseignements que je tire sur ce match. Le premier, c'est quand même le Tolisso très, très en forme. Le deuxième, c'est que Sarr, j'ai l'impression que c'est trop, c'est un cran trop. Il n'y a rien à faire. Ouais, je pense que c'est un cran trop. Lyon, c'est trop pour lui. Il est gentil, il est beau gosse, il sourit, tout ce que vous voulez. Mais je pense que là, on a atteint peut-être un plafond de verre. Donc, pourquoi pas… De toute façon, c'est un deal d'agent, hein, Sarr. Donc, ouais. Et après, moi, Ndiaye, putain, les gars, il a raison, Vic. Hein. Moi, les mecs, il m'a impressionné, le gars. Moi, je l'ai trouvé au-dessus de tout. Hein. C'est un deuxième mi-temps. Pour moi, c'est le meilleur de la deuxième mi-temps. Ah oui, le meilleur du match. Il a un nombre d'interceptions. Je ne sais même pas combien il en a fait. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y avait que lui. On le confondait même avec Alvero par moment. Donc, on a remarqué ces entrées-là. Ouais. J'ai dit, mais c'est quoi ce mec? Premier match à Lyon. Hein. Et ce qui est bien, c'est que ça amène de la présence physique. Hein. On disait la saison dernière qu'on avait ce manque d'impact dans les duels. Là, tu as Alvero, tu as Ndiaye, qui est quand même pas mal. Tu as aussi Clinton Mata aussi en première période. On a vu un petit peu ce que ça pouvait donner. Physiquement, là, on sait bien. Enfin, on a un petit peu de répondant. C'est pas mal. Mamadou Sarr, moi, tu veux parler même, de ça, on l'a pas beaucoup vu. Même Kadewere, je trouve qu'il a vachement pris. ou je me trompe, hein, mais je trouve qu'il a pris en puissance, Kadewere. Kadewere, l'avantage qu'il a, c'est pied droit, pied gauche, assez physique, un nombre d'appels incroyable, Kadewere. Les gars, pour ceux qui n'ont pas vu le match, on sait qu'on parle plus de la deuxième que de la première, parce que c'est un peu soporifique en première et que bon, hors Tolisso, c'était un peu faible, et Jeffinho qui était à l'aise techniquement. Mais la deuxième, il y a quand même 3 mecs, ils ont éteint les autres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même 3-4 mecs qui ont éteint les autres. Alors, lui, physiquement, ils étaient moins cramés en plus. Hein. Ouais, Xéwe, il veut absolument qu'on parle de Mamadou Sarr, mais je ne sais pas comment te dire. Tu as une Clio et une Porsche. Donc, si tu veux qu'on parle de la Clio, on peut en parler. Hein. Mais à un moment donné, il y avait une Porsche à côté, et si tu veux, il faut qu'on en parle, tu vois. Parce que Ndiaye, à côté de Sarr, il y a 12 clans d'écart, là, hein, pour moi. Il y avait l'impression qu'il y avait un gamin de 8 ans et un gamin de 18 ans qui jouaient ensemble. Voilà, Sarr, il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Hein. Je n'ai pas dit qu'il avait fait un mauvais match. Par contre, Ndiaye, à côté, il était au-dessus du lot. Et il a raison, Vic. Hein. S'il y a autant de clubs sur Ndiaye, c'est qu'il y a une raison. Moi, j'aurais vraiment vendu Diomandé. Je ferais confiance à Ndiaye, pas pour jouer titulaire, mais en troisième. Tu as quand même des sacrées garanties. Le gars, je l'ai trouvé très, très à l'aise, même si c'est qu'un match de prépa. Non, il faut le revoir, ce bonhomme. Il faut absolument le revoir. Je ne sais plus qui avait dit, donc je ne dirai pas qui parce que je ne me rappelle plus. Mais il y avait quelqu'un dans les hautes sphères hein, qui avait dit que la Ligue 2 en France, elle était peut-être moins technique que la Ligue 1, mais elle était très difficile physiquement. Et quand tu réussis en Ligue 2 à un certain poste comme défenseur central, en règle générale, tu te débrouilles pas trop mal en Ligue 1. Parce que c'est quand même très dur, la Ligue 2. On croit que c'est facile, tu tripotes. Non, non, la Ligue 2, c'est physique. Hein. C'est plus physique que la Ligue 1. Il faut dire aussi, c'est qu'à Bastia, était dans une défense à 5 en tant que défenseur central, donc plein axe, donc pas trop, entre guillemets, de la défense à 3. Donc là, c'est un peu un poste différent, parce que c'est dans une défense à 4, du coup, en axe gauche. Donc il va falloir qu'il retrouve un petit peu de repères, mais j'ai l'impression que ça ne le dérange pas du tout en fait. Vu comment on le voit aujourd'hui, pour moi c'est dans la tête en plus, et la tête elle suit hein, pour le coup là. Il est vraiment serein. Il était très à l'aise, hein, très à l'aise vraiment. T'as l'impression qu'il avait déjà joué avec le club depuis je sais pas combien de temps. Il a tenu la défense plusieurs reprises, aérien, au sol. Respect. Hein. Faut bien l'utiliser. Faut pas le pourrir en le mettant défenseur latéral après 2 matchs. Faut vraiment bien l'utiliser. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Même pas photo. Non, mais... Et je vais te dire, Pierre, c'est qu'on en a discuté, nous, dans le groupe. Et moi, avant même que ça joue, j'ai dit, mais attendez, pourquoi on laisse pas sa chance à Kadewere? Il revient. Ça, on l'a vu pendant 6 mois l'année dernière. Il est pas au niveau pour moi. Hein. Depuis qu'on l'a acheté, je n'ai pas vu faire un bon match. Donc, Kadewere, il faut voir, c'est un mec qui est bon. C'est un mec qui est bon, là, c'est tout arrêté, je ne sais pas si je suis toujours là. Tu es toujours là. Ah, je suis toujours là. Donc, c'est un mec qui a été bon, qui a eu un problème extra-sportif, qui a eu du mal à s'en remettre, qui s'en est pas remis, qui a perdu confiance. Mais s'il reprenait la confiance, bah, mince, Lacazette, c'est pas un numéro 2 qu'on cherche, attention. Lacazette, c'est un numéro 1 indéboulonnable. Il y a des clubs où tu as 2 bons et ils font de la rotation chacun leur tour. Nous, on ne cherche pas un mec pour jouer titulaire quand Lacazette n'a rien. Hein. Quand Lacazette il est là, c'est lui qui joue. Il n'y a même pas de discussion. On cherche même pas un 2. On cherche un mec au cas où Lacazette il a des petites faiblesses. Donc moi je pense qu'un mec comme ça qui va pas nous embêter, qui a une mentalité correcte, qui est gentil et tout, franchement, alors, gentil c'est pas un métier, je suis d'accord. Mais il va pas nous faire chier. Il va pas emmerder Lacazette, il va pas emmerder les autres. Moi je pense qu'un mec comme Kadewere, ça se tente. C'est pas un métier parce que Sarr, il est gentil, mais faut pas oublier. Ouais, effectivement. Je suis pas tout à fait d'accord avec Lilo là. Kadewere faible techniquement, bah, quand tu vois son but, il n'est pas faible techniquement. Je dirais qu'il est maladroit, mais il n'est pas faible. Hein. Après, faut trouver un mec qui accepte de venir jouer. Il faut trouver un mec qui est bon en neuf, qui accepte de venir jouer pour ne jamais jouer. Parce que si Lacazette ne se blesse pas, il ne jouera jamais. Hein. Il va jouer des bouts de match, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, c'est tout. Hein. Donc, quel est le bon numéro 9 qui va accepter ça? Lacazette n'est pas un mec à l'équipe de la rotation. Lacazette est titulaire indéboulonnable. C'est pour ça, je vous dis, attention, on va prendre un deuxième Sarr, j'ai l'impression. Parce que qui voudra venir? C'est un peu comme si tu prends un bon gardien en doublant Lopez. Si Lopez se blesse pas, le mec, il jouera jamais. Il va pas venir. Hein. Un bon gardien reste pas chez nous. On n'aura qu'un numéro 2. Dans les commentaires, plutôt Team Sarr ou Team Kadewere. Moi, sans hésiter, franchement, c'est Kadewere, mais 10 fois, je vous le dis. En plus, je le trouve pas si nul que ça. Il est maladroit, mais il n'est pas si mauvais que ça. Et quand je vois Sarr, il fait un nombre d'appels Kadewere en en une mi-temps, il a fait plus d'appels Kadewere que Sarr en 10 matchs. Hein. Faut être bien conscient du bordel. Hein. Kadewere, il a fait un nombre d'appels, c'est incroyable. Comment il va, Vic? On dirait qu'il n'est plus là. Vic, il s'endort. Ça bug un peu chez Vic. Il est bugué. Mais Sarr ou Kadewere, dans la hiérarchie, Kadewere pour moi est deuxième. C'est la doublure de Lacazette. En plus, les deux sont capables de jouer ailier. Kadewere a déjà joué ailier. Et pour moi, il est meilleur que Sarr en termes d'envie, en termes de. Techniquement, il est meilleur que Sarr. Et aujourd'hui, il y a une question à se poser, c'est que qu'est-ce qu'on va faire de Sarr, quoi. Moi, Sarr, je le prête. Hein. Honnêtement, soit je le vends, mais si tu le vends, tu vas le vendre 1 million. Tu as perdu 1 million. Soit tu le prêtes et tu te dis, pourvu qu'il réussisse là où il va, pour remonter dans la valeur. Mais on prend les billets, on les jette. Au niveau jeu pur, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Hein. Ça, c'est clair. On a perdu 11 millions ou 12 millions. Mais il faut qu'il se refasse la cerise dans un club comme Molenbeek, par exemple, et puis qu'il remonte un peu en valeur et qu'on le revende 5-6 millions l'année prochaine. Mais pour moi, il n'a pas du tout le niveau de Lyon. C'est une erreur de casting. Hein. C'est l'achat de la peur parce qu'on n'avait rien acheté. Le pire, c'est d'avoir acheté ça et Jeffinho, tu vois. C'est que tu en prends deux au même poste. Jeffinho, il s'est bien débrouillé. Oui, mais Jeffinho, ce n'est pas nous qui l'avons acheté. Jeffinho, ce n'est pas notre cellule recrutement qui l'a acheté. C'est John Textor qui nous l'a vendu. En fait, il a fait passer de l'un à l'autre. Donc, notre cellule de recrutement, pendant tout le mois, elle n'a rien foutu. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris au dernier moment le dernier mec qui était libre. Quoi. Et elle avait dit, on prend lui. Hein, pour histoire de dire, j'ai fait quelque chose, regardez, j'ai acheté quelque chose. Bon, il est sur le bon. Malheureusement. Ouais. On s'est fait arnaquer, là. Vic, tu vas nous dire si tu es plutôt Team Kadewere ou Team Sarr. Mais je suis assez d'accord avec Lunatix. Oui, on peut faire ça aussi. Oui, moi, j'aurais vraiment acheté un ailier, mais titulaire avec de la à l'aise, genre le gars, voilà, c'est un patron, quoi. Tu te poses pas de question qui est titulaire, que j'aurais associé avec Barcola. Je sais pas, ouais, mais que j'aurais associé avec Barcola. Et après, tu peux acheter un ailier qui est capable de jouer neuf, et si tu vois que Kadewere ça va pas, bah, l'ailier, tu le mets neuf, tu mets Jeffinho et Barcola. Et voilà, c'est un vieux problème. Ramenez-nous du Brésilien, bordel. Barcola, il peut le faire, ça. Pour moi, voilà, j'aurais fait exactement ce que dit Lunatix. C'est que moi, j'aurais acheté un ailier titulaire, genre, ouais, bah, Lucas Moura, Lozano, qui tu veux, un mec, c'est le patron, que j'aurais associé avec Barcola. Et derrière, j'aurais mis Kadewere, qui peut un peu jouer partout, hein, malgré tout. C'est l'avantage de Kadewere, il peut jouer en deuxième attaquant, à droite, à gauche. Jeffinho en remplaçant, et j'aurais prêté Sarr. Et là, du coup, tu as quand même une équipe, voilà, qui est valable. Oui, parce que Kadewere, il a joué les droits, hein, donc il peut dépanner là aussi. Hein. Il peut dépanner, voilà. Et à la limite, je trouve ça plutôt cohérent. Voilà. Après, il manque pour moi un vrai 8 titulaire aussi. Je trouve que ça manque d'expérience au milieu. C'est trop faible. Hors Tolisso, c'est trop faible. Il n'y a pas d'expérience au milieu. Tu as besoin d'avoir un taulier au milieu. Ouais, il faut. Tu vends pas, si tu ne vends pas, tu ne peux pas racheter encore des mecs. Il y en a beaucoup qui ont parlé de panic buy dans le chat. Hein. Mais panic buy, il n'y aura pas. En fait, le problème, c'est la DNCG. On passe encore devant eux le 18 mardi prochain. Et ça fait depuis le 22 juin qu'on est bloqué. Il y a tout ce qui se passe avec la DNCG. Quoi. Les gars, on est 500. Vas-y, Vic. Ouais, non, je disais, par rapport au débat Kadewere et Amin Sarr, on se rappelle qu'Amin Sarr, on l'a acheté 11 millions, c'est quand même un sacré investissement. Donc, s'en séparer maintenant, sachant qu'on peut imaginer qu'il n'y aura pas de club intéressé pour un transfert, je vois mal un club intéressé pour lui. Je pense que ce sera plutôt un prêt. Moi, je serais plutôt favorable à un prêt, effectivement, pour Amin Sarr, parce que je pense qu'on ne retrouvera pas nos 11 millions. Ouais, Amin Sarr, un prêt, et Kadewere, je pense que quand même, s'il y a une offre à 3, 4, 5 millions dans ces eaux-là, je pense qu'il faut quand même s'en séparer parce qu'on se souvient que Kadewere, lors de sa fin de parcours avec l'OL, avec nous la saison dernière, c'était quand même très, très compliqué face au but, quand même, hein, très, très maladroit, beaucoup d'occasions ratées, c'était très, très compliqué. Il a performé chez nous en tant qu'ailier droit. Après, c'est vrai que c'est pas mal, c'est parce qu'il a un bon état d'esprit, il est polyvalent, effectivement. Mais j'attendrai peut-être quand même la prépa pour dire oui, on compte sur lui, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, il faut attendre la fin de la prépa. Est-ce que tu es sûr qu'avec 3-4 millions, tu récupères mieux que lui? Est-ce que tu es sûr qu'on est mieux que lui à 3-4 millions? Moi, je te dis, prendre peut-être un joueur je ne sais pas si ça existe sur le marché, mais je pense que tu peux trouver avec la data un joueur très bon à la finition, vraiment en neuf, un pur neuf, peut-être un peu plus costaud, point d'appui, pivot, tu vois, dans un style assez différent de Lacazette, pour un peu varier notre jeu aussi. Parce que Kadewere, bah, c'est pas. Tu varieras rien. Attends, Vic, qu'est-ce que tu vas varier? Lacazette, il est le premier nom sur la feuille de match. Je me fous de ma gueule. Non, mais. Tu vas rien varier du tout. Il va jouer 5 minutes, le mec. Laisse-moi développer. Sur des. Imaginons, Jules, des scénarios qui se produisent et qui se reproduisent saison après saison, c'est-à-dire des scénarios où on se fait mener au score et sur 10-15 minutes en fin de match, on doit remonter le score. Tu peux jouer éventuellement 4-4-2 et jouer des longs ballons avec ton 9, ce 9 là, que tu ferais venir en 9 pivot, un peu grand de la tête et tout, dans cette idée là, quoi, et très bon en finition. Un joueur un peu de. Le mec, il va vouloir jouer, il viendra pas à Lyon. Oui, mais. C'est un grand qui est bon, qui est costaud, qui marque des buts, tout. Il veut jouer, il veut pas venir être numéro 2 à Lyon. Après, c'est pas le prix qui compte. C'est effectivement la difficulté du marché. Là, je te rejoins, Jules. C'est ça que tu n'arriveras pas à trouver. C'est pour ça que je te dis, c'est très bien possible. Avec les datas, je sais pas, un mec pas cher, tu sais, qui a performé dans un championnat un peu mineur, qui marque beaucoup de buts, je sais pas, peut-être que tu peux trouver, je sais pas. Hein, je te dis pas qu'on trouve. Non, mais c'est possible. C'est possible, c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais honnêtement, moi j'ai peur qu'on prenne un mec qui est pas bon. Parce que s'il est bon, il vient pas de chez nous ne pas jouer. Mais attention, parce que si Lacazette se blesse et que Kadewere n'est pas là, on est très mal. Si m'attend en arrière, on a perdu mon oncle. Et le gardien numéro 2, là, il attend que Lopez se blesse. Ça veut dire que le mec va attendre que Lacazette se blesse. Riou, je l'ai trouvé au niveau, moi, cette saison dernière. Les gars, je ne suis pas d'accord. Si Lacazette se blesse, tu peux toujours mettre Barcola en pointe et les liens titulaires. Barcola en pointe. Si tu gardes Kadewere. Je suis désolé, Kadewere, entouré d'un titulaire et de Barcola, je ne pense pas non plus que tu ne mettes pas un but, il ne faut pas déconner. Par contre, je peux t'assurer d'un truc, c'est que souviens-toi, Julien. Ça fin de parcours avec… Ouais, Sarr, ouais. Mais si tu mets Sarr à la place de Lacazette, ouais, non, là, par contre, je ne suis pas bien. C'est comme si tu mets là. Je ne suis vraiment pas bien. Autant Kadewere, je pense qu'il n'est pas ouf, mais je pense qu'il n'est pas ouf. Non, mais le problème, c'est attirer un mec en lui disant « tu joues s'il se blesse ». C'est grave, quoi. Le mec, il va te dire, mais s'il ne se blesse pas, tu fais quoi? Non. Dans l'idéal, je ne sais pas si on peut trouver ça, mais dans l'idéal, on va chercher un ailier titulaire et qui peut jouer en pointe aussi. Ce serait ça l'idéal, en fait. C'est que j'ai dit tout à l'heure. Il faut mettre de la concurrence partout, de toute façon. Il faut que ce soit ceux qui se la donnent qui soient titulaires, quoi. Les gars, on est 510, c'est un débat de la merde, hein. On ne va pas se mentir. C'est un débat plus profond que le match. C'est un débat de merde. On part plus loin, oui, parce que forcément, on se pose des questions avec le mercato. Non, mais c'est sûr que la priorité entre les deux, c'est de se séparer de ça, moi, à mon avis. Faut le prêter, absolument. Donc, il faut qu'il remplace de la valeur, parce que là, il a tout perdu. Satisfait de la prestation, vous dites oui ou non. Dites-moi dans le chat combien vous noteriez ce premier match, si vous êtes satisfait. Allez, satisfait. Ça va pas voler haut. Hein. Non, mais notez-moi le match. Ça va pas voler haut. Ouais. Moi, je vais mettre 5 parce qu'on a gagné. Faut faire comme moi, rapide. 5 parce qu'on a gagné, mais c'est un premier match de prépa, donc j'ai pas envie de critiquer trop l'équipe. Il y a des choses intéressantes sur des joueurs qu'on ne s'attendait pas spécialement. Des confirmations sur des joueurs de merde qu'on a. Voilà, moi il y a des joueurs, j'ai plus envie de les voir et je pense qu'ils n'ont pas le niveau. Globalement, c'était un match assez fermé. Je lui mets 5 ce match. Aurel, moi je lui mets 4, je lui mets un point de moins parce que vraiment j'ai pas ressenti beaucoup de choses. Par contre, il y a quelques jeunes qui m'ont intéressé, quelques joueurs qui sont très intéressants, mais j'ai mis 4 parce que c'est à l'image de. On n'a pas senti le petit truc, c'est un début de match de préparation, donc on va voir la suite. Il y a du bon, il y a du mauvais. Jules Papigone. Je vais mettre 5 et par contre, parce qu'il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, mais ce qui me fait le plus chier, c'est qu'on a perdu un joueur blessé. Et ça m'embête. Qu'un match amical, on est des blessés. Et on a vu que l'équipe d'en face, ils n'hésitaient pas à attaquer et qu'on aurait pu avoir un deuxième blessé. Ce que je veux dire, ce genre de match, je me demande même si c'est utile aussitôt dans la préparation. Parce qu'on n'est pas du tout au top, on le voit, on n'est pas du tout en forme. Et au bout de 5 minutes, il y en a qui se blesse. J'ai vu juste après, je crois que c'est Laziri qui se fait tacler. Il aurait pu se faire arracher la jambe. À un moment donné, est-ce que ça vaudrait pas mieux le coup de jouer entre nous? Tu fais les deux équipes que tu as fait, celle de la première, celle de la deuxième, et tu les fais se rencontrer. Au moins, les mecs, ils se blessent pas, ils font pas les cons, et ils prennent du jeu. Et après, tu joues au bout de 15 jours, 3 semaines. Là, on vient de reprendre. On fait déjà un match amical face à une équipe qui joue la mort. Hein, c'est une D3, hein, troisième division. Ouais, justement, eux, ils jouent comme des fous. Eux, ils veulent à tout prix de gagner. Ils jouent Lyon. Attends, c'est comme si toi, on te dit, tiens, avec ta petite équipe, tu vas jouer Liverpool. Tu vas te jouer comme un dingue. T'en as rien à foutre de le blesser, le mec. Tu veux après, gagner. Physiquement, ils étaient cramés un peu. Hein. Après 20 minutes, 30 minutes, là, ils en pouvaient plus. Ouais, ouais, mais bon, ça l'empêche qu'on a perdu un mec au bout de 5. Bien, justement. Donc, ça m'embête un peu, ce genre de match, dès le début de la préparation, parce que c'est inutile. Tu apprends rien. Et tout ce que tu fais, c'est te blesser. Donc, Laurent Blanc, il insiste là-dessus. Je pense que la préparation physique, elle va être plus hard qu'avec Bot. Il faut les jouer, ces matchs. Tu es obligé, c'est comme ça. Ouais, ouais, mais bon, c'est dommage. Voilà. On a déjà 2, 3 blessés. Cacré, Enrique et Koné. Bon, Koné, on ne le compte pas, mais et là, ça fait un quatrième. Blessés musculaires. Ce ne sont pas des blessés sur des tacles. Non, non, mais je suis d'accord, mais tu aurais pu. Ça aurait pu. Ce genre de match, ça peut te créer un blessé, quoi. Mais bon, il ne faut pas jouer avec la peur, hein. C'est pas grave. Hein. Ça non, c'est pas la peur, c'est que l'adversaire, lui, il n'a pas peur du tout. Parce que justement, c'est une D3. Ben oui. Les amis, je peux diffuser le. Ouais, Vic, pardon. Après, on diffusera peut-être les matchs qui nous attendent pour la fin de la préparation. Vic. Moi, je rejoins Aurel, 4 sur 10. Un match très, 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 très moyen. Après, c'est qu'un premier match, donc je suis indulgent quand même. Il faut être indulgent. Voilà, on s'est fait percer pas mal de fois sur certaines contre-attaques. Un peu fragile au milieu de terrain, comme vous l'avez dit. Donc, oui, après, voilà, on va attendre la suite, quoi, parce que là, c'est une mise un peu en bouche. Voilà, pas de quoi s'en réjouir, mais 4 sur 10. Avant qu'on passe à ce que va mettre Aurel à l'antenne. Ah, de son passage. Non, non, tu vas mettre Melo à l'antenne. On est plus de 500 sur un match amical. C'est super, c'est génial. Voilà, moi je stoppe mes vacances et mon plus zunt. Voilà, hein, voilà, je stoppe tout là pour vous là. Ok, c'est pas pour rien. Alors, les pouces et on s'abonne, c'est important. Abonnez-vous, les gars, c'est important, c'est rien du tout, c'est gratos. Passe-nous, Aurel. Allez, on est parti. Alors, messieurs, qu'est-ce qui nous attend? Voici. Alors, bon, le match du jour, hein, de Treffers, Lyon. Ouais. Et puis, rendez-vous mercredi à 15 h. Et on part, si je ne dis pas de bêtises, c'est en Écosse. C'est en Écosse, exactement. Ouais. On part en Écosse. Face à Manchester. Ensuite, on jouera les clubs amis, hein, les clubs copains, Molenbeek, Celta, qui normalement on devrait acheter. On va espérer, on va croiser les doigts. Tapia et Crystal Palace, club ami aussi. Voilà, papa, c'est des clubs amis. Hein, on devrait une petite recrue peut-être de Crystal Palace. Ce que j'aimerais, c'est une petite recrue de Manchester United. Hein, je ne dis pas non. Je dis même oui. Je dis Malacia. Sancho, je sais pas. Écoute, je sais pas. Écoute, Martial, voilà, on ne sait pas. On ne sait plus. On verra. Ils veulent qui ils veulent. Messieurs, passons au top et au flop, s'il vous plaît. J'envoie le générique. Bouge pas, mon Aurel, je m'en occupe. Yes. C'est parti, on passe au top et au flop. Je démarre. Moi, ce que je voudrais dire surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu des petites confirmations, ou du moins des petites surprises de certains. Et je vais les citer. Donc, aussi des surprises et des confirmations dans la nullité. Pour d'autres, en fait, ça ne change pas. Le premier, je dirais Sarr, que j'ai trouvé, Amine Sarr, que j'ai trouvé vraiment pas bon. Mais pourquoi je ne suis pas surpris, voilà. Amine Sarr, Diomandé aussi, qui confirme qu'il faut absolument trouver une solution pour le vendre à Salzbourg. Hein. Voilà, j'ai trouvé très, très nul. Les deux, pour moi, c'était vraiment les plus mauvais. Ensuite, j'ai envie de mettre Le Penant, qui pour moi rate son match aussi, que je trouve un peu trop timide. J'aurais pu citer des jeunes, mais ça ne servait à rien de le faire. Je trouvais ça petit de ma part si je l'aurais fait. Ah non, Florent Da Silva. Ouais, j'enlève Le Penant. Florent Da Silva, il confirme en fait qu'il n'a pas le niveau pour jouer à l'OL. Je pense. Je pense qu'il faut le vendre. Si vous ne pouvez même pas le prêter, il faut le vendre. Donc voilà. Et ensuite en top, Ndiaye, je l'ai trouvé incroyable en deuxième mi-temps. Alors lui, par contre, incroyable. J'ai aimé Kadewere aussi, qui était bien au-dessus du lot. Voilà. Et comment oublier la première mi-temps de Tolisso, qui était vraiment très très bon. Voilà, j'ai aimé aussi les 20 dernières minutes de Jeffinho. J'ai aimé l'agressivité de Lacazette malgré tout, mais bon voilà, Mata qui était intéressant. Alvero qui était aussi intéressant. J'ai trouvé Alvero intéressant au milieu. Mais voilà. Ndiaye, Kadewere et Tolisso. C'est les trois. Voilà. On va passer. Tac, Vic. Alors, donc... dites-moi dans le chat. Hein. Dites-moi, top et flop et dans les commentaires. En top, Ndiaye en numéro 1. On en a déjà parlé, impressionnant. En numéro 2, je mettrais Tolisso, que j'ai trouvé très bon, effectivement. Et en 3, Clinton Mata, que j'ai trouvé très sérieux dans son couloir, voilà, sans fioriture. Donc ça, c'est mon top 3. Mon flop, après, j'ai pas envie d'enfoncer les joueurs sur un premier match, mais si on doit donner trois joueurs un peu en dessous, Amin Sarr, c'est une point d'interrogation gigantesque. Hein. On ne sait pas ce qu'il fait là. Bon, voilà. En deux, quand je regarde un petit peu, ouais, Le Penant peut-être. Voilà, il va vraiment falloir qu'il progresse s'il reste. Parce que pour moi, on en attend plus, pardon, sur cette deuxième partie, sur cette deuxième saison de sa part. En plus, il va y avoir beaucoup de concurrence parce qu'il y a Alvero donc qui est là, sûrement Tapia ou un autre milieu qui va venir. Donc, ça va être difficile pour lui d'avoir du temps de jeu. Il va falloir qu'il hausse son niveau parce que sinon, ça va être très très compliqué pour lui. Je suis un petit peu inquiet pour lui. Donc, Sarr, Le Penant. Alors, tu as trouvé Da Silva meilleur que Le Penant? Comment? Tu as trouvé Da Silva meilleur que Le Penant? Parce que j'ai eu la même hésitation que toi, si tu veux. En fait, Sanchez, tu sens qu'il a un petit peu de ballon, mais il manque de personnalité, quoi. Il manque de caractère, il manque de physique. Ouais, et d'ailleurs, petit mea culpa, parce que c'est un joueur auquel je croyais. Effectivement, quand je l'avais vu avec en Euro Espoir, avec la France, je le trouvais plutôt pas mal, même assez bon. Après, il n'a pas su franchir le cap. Hein. Il semble pas franchir le cap parce que c'est un échec aussi en Belgique avec Volendam, c'est ça, hein, si je n'écorche pas le nom. Hollande. Hein. Hollande. Ouais. Non, Pays-Bas. Ouais, c'est ça, ouais, Hollande. Ouais, donc c'est un échec là-bas et du coup, c'est vrai que je suis un petit peu déçu. J'avais un petit peu cette hype avec lui, mais bon, voilà. C'est vrai qu'il n'a pas été bon non plus. Et en 3, je mettrais Diomandé peut-être. Aussi, ouais, Diomandé, il a fait des relances. C'était pas serein du tout, Diomandé. Hein. Diomandé, ouais, je le mets en 3. Ouais. C'est pas le pire flop d'aujourd'hui, Diomandé avec Sarr, là. Enfin, Diomandé. Ouais, Diomandé, des difficultés là derrière, des trous en défense. Ouais. Donc, c'est ça. Sarr, Le Penant, Diomandé. J'aurais pu mettre Flo Sanchez, j'aurais pu en mettre d'autres sûrement, mais voilà ceux qui me viennent en tête là. Ok. Oui, alors on va parler de Diawara parce que tout le monde me parle de Diawara là. À l'aise techniquement, j'ai trouvé par contre une prise de risque. À un moment donné, il n'y a pas faute en plus. Il tombe. Honnêtement, il y a but derrière. Hein. Il fait une énorme connerie. Après, très à l'aise techniquement. Je pense quand même qu'il n'a pas le niveau pour jouer à l'OL. Je pense qu'il est très fatigué physiquement dû à ses blessures. Et il manque un peu de sens du jeu quand même. Hein. Je trouve qu'il fait des mauvais choix parfois. Il a fait un moment donné, il fait une cagade. J'ai que ça en tête. Hein. Il fait une cagade. Heureusement, l'arbitre, il siffle. Parce qu'il fait un dribble entre deux joueurs en plein axe au milieu à 30 mètres du but. J'ai cru que je faisais un arrêt cardiaque. Hein. Non, mais qu'on soit clair. Heureusement, il tombe. Hein, parce que catastrophique. Hein. Qu'on soit clair, entre El Arouch et Jeffrey Nadalid, il faut privilégier El Arouch, hein, on est d'accord. Moi, perso, oui. Ouais. Après, ils veulent qu'on en parle. On en parle si vous voulez. Moi, j'ai trouvé à l'aise techniquement, mais je pense pas qu'il ait le niveau en fait. Je pense pas qu'il faut le garder. Je pense pas qu'il ait le niveau. Voilà, j'ai pas envie de parler d'un mec que j'ai trouvé moyen, enfin sans plus quoi. Voilà, vous voulez qu'on en parle, tout le monde me dit. Voilà, Aurel. Ça n'a pas été non plus super transcendant, hein. Il n'y a pas eu de folie. Bon, je vais aller assez vite. Hein, les flops, j'ai noté Sarr, Diomandé, forcément, c'est les deux premiers. Ceux qui sont vraiment sortis du lot. J'ai un peu hésité. Je pense que je vais mettre Da Silva. Je ne vais pas trop cracher non plus sur les jeunes malgré tout. Je ne mettrai pas Le Penant parce que je sais de quoi il est capable. Et c'est vrai que depuis le match contre Montpellier, il a un peu perdu la tête. Mais avec une bonne préparation, ça peut donner quelque chose. Après, Vic a raison aussi là-dessus. Hein. Il y a une grosse concurrence qui va s'installer et il va falloir le prêter s'il n'est pas au niveau. Donc là-dessus, c'est obligatoire. En top, j'ai mis Kadewere avec Ndiaye, super seconde période. Et j'ai mis aussi le petit El Arouch qui a été balle au pied. Et dans la vision du jeu, il voulait tenter beaucoup de choses au milieu de terrain intéressant. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal qui voudraient le voir aussi. Je parlais un peu avec des supporters qui voudraient le voir un peu peut-être sur un côté pour voir ce que ça donne. Et il pourrait peut-être faire des différences. Et pour finir, une petite nouveauté, des encouragements pour Jeffinho. Parce que Jeffinho, je l'ai trouvé très à l'aise avec le ballon. Je l'ai quand même, il a touché beaucoup de ballons, mais il y a eu quand même quelques erreurs. Il loupe encore beaucoup. Donc, des encouragements, vraiment. Jeffinho, s'il progresse devant le but et qu'il devient plus régulier tout le temps, il va tout exploser. Les gens veulent qu'on parle aussi de Camilleau, donc je vais le dire. Ah, Camilleau, il a joué 10 minutes, 15 minutes. Ouais, non mais Camilleau. Parce qu'il a un peu bien joué vers l'avant, il a fait de bonnes passes vers l'avant, c'est vrai. Bon, j'ai pas envie de parler d'un mec pendant. Non, parce qu'on peut pas trop le juger, ouais. Pardon, elle dure déjà 3/4 d'heure. On va pas le juger. À titre d'info, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je me suis un peu renseigné. Molenbeek était très content de Camilleau, je vous le dis. Apparemment, il fait une très bonne saison avec. Des bons retours. Donc, bon, je dirais pas qu'il faut le garder ou pas, mais voilà. Et on a trop de joueurs au milieu, là. Ouais, pour parler mercato, Santos est intéressé par Camilleau. Donc, à voir, ça se trouve, on va même pas perdre d'argent. Voilà. On l'a recruté 2 millions, hein, il me semble, hein, de mémoire. Ouais, oui. Jules Papigone. Alors, flop, Amine Sarr, qui a. Je ne sais même pas s'il a joué, donc c'est affolant à ce niveau-là. Diomandé qui aurait dû prendre le lead à la blessure de Lovren, qui ne l'a pas fait. À la limite, c'est l'autre qui est tout jeune, qui était le supérieur. Et en troisième, je mettrais la blessure de Lovren. Parce que ça, pour moi, c'est un gros flop. Je ne vais pas mettre d'autres cas. Il n'y en a pas qui sont carrément passés à travers. Après, en top, alors je vais mettre Ndiaye, parce que bah, en fait, malgré tout, c'est une surprise, hein, premier match, machin, il aurait pu avoir peur, etc. Bon, bref. Donc Ndiaye, ça a été certainement le meilleur du match. Je vais mettre Alvero, parce que ça m'a surpris un aussi grand qui fait autant de. On dirait que sa taille ne le gêne pas, quoi. Sa taille ne le gêne pas. Il arrive à faire des trucs. Normalement, les grands ne le font pas. Et lui, je l'ai trouvé quand même assez à l'aise. Et je pense qu'en s'améliorant, il va être bon, ce gars. Il m'a fait plaisir. Et en troisième, je peux t'aider. Non, mais il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Ouais, je voulais mettre Tolisso, mais. Il y a Kadewere à encourager, il y a je vais dire Tolisso. Ouais. Même Lopez aussi a fait une bonne première. Ouais, au début, je voulais aussi le mettre dedans. Quoi. Ouais. Je voulais mettre Lopez, mais après, c'est pas non plus, on n'a pas joué. Non, mais il a fait un arrêt. Ouais. Je vais mettre Lopez aussi. Hein. Ouais, je vais mettre Lopez, c'est pour changer. Parce que c'est lui que je voulais mettre au départ, et puis. Après, je me suis dit, sur une mi-temps, il n'a pas eu 36 ballons à faire non plus, mais je vais le mettre. Allez. On fait des tops et des flops sur 22 joueurs quand même. Hein. Ouais, c'est pour ça que c'est dur. Parce qu'en fait, il n'y en a pas qui ont été une mi-temps. Une mi-temps chaque personne. Donc, on n'a pas vu plus de 45 minutes. Ouais, donc Ndiaye, Alvero et Lopez. Sur ça, Diomandé, on peut juger. Et encouragement à El Arouch. Parce qu'on donne des encouragements. Parce que j'ai trouvé bien. Si vraiment je devais sortir des gars du lot, la première mi-temps c'est Tolisso, la deuxième c'est Ndiaye. Voilà, c'est mon avis. Hein. Mais les deux pour moi, ils ont surclassé totalement leur mi-temps. Hein. Totalement. Et l'un, après le reste c'est utopique tout ce qu'il y a autour, je trouve. Mais les deux là, ils ont été 15 fois au-dessus des autres. Ah bon, voilà. Avant de quitter le live, messieurs, regardez ce beau t-shirt qu'a Jules Papigone, messieurs. Voilà. C'est ça, c'est la classe à Dallas. Il te va à ravir. Non, mais n'hésitez pas, s'il y en a qui sont intéressés, voilà, c'est le t-shirt de la chaîne. Hein. Vous allez sur Julien Legone, vous le trouverez facilement. Je ne vous mets même pas le lien, vous les avez directement, les t-shirts. Voilà, je remercie tout le monde, Vic, Jules Papigone et Aurel de cette vidéo et tous les gens qui ont été là. On est encore quasiment, on est 450 encore. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, ça aide et ça soutient la chaîne. Un pouce. Un pouce, vous vous dites, c'est que dalle. Hein. Un pouce et un abonnement, mais ça soutient grave la chaîne. Les abos pour être au courant toutes les nouvelles vidéos. Les abos et la cloche, oui. Vous mettez la cloche, vous savez quand on tourne, les gars. Quand je mets des petits trucs dans l'onglet communauté, quand voilà, n'hésitez pas. Vic, un dernier mot de la fin? Non, j'ai envie de dire vivement Manchester, juste ça. J'ai envie de voir le match. Alors, je ne pourrais pas le voir en direct, malheureusement, mais en replay, je le regarderai. Très, très envie de voir ça. Ouais. Jules Papigone? Bah écoute, content que ça reprenne un peu parce qu'on s'embêtait un peu. Après, voilà, j'espère que mardi ça va passer parce que ça nous bloque quand même, même si ouais, y a vraiment, on se pose des questions sur ce truc là, c'est incroyable. Mais bon, j'espère que ça va se débloquer mardi puis qu'on puisse entamer un vrai mercato et faire le nécessaire, quoi. Faire ce qu'on a à faire, vendre et acheter. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que si on vend pas, c'est parce que si on vend, on nous bloque l'argent. Donc, on peut même pas l'utiliser. Donc, on est coincé là, on ne sait plus quoi faire. Donc, il faut que ça se décante et puis qu'on puisse travailler comme les autres clubs. Parce que là, actuellement, on ne peut pas. Donc, voilà. Aurel? Yes, bon, bah, vivement mardi, hein, la DNCG. On parlait de panic buy, j'espère que ça n'arrivera pas. Je ne pense pas. J'avais noté quelque chose par rapport aujourd'hui, le panic body. Je ne sais pas si ça vous parle, body qui veut dire corps. Donc, la peur de jouer vers l'avant. J'espère qu'on va un peu plus se trouver devant. On va un peu plus combiner dans les prochains matchs et vivement mercredi du coup, 15h. Exactement, mercredi, il y aura du beau monde. Messieurs, je vais tous vous souhaiter une bonne soirée. Surtout, n'oubliez jamais, eh ben, Lyon a gagné son premier match de reprise face à De Treffers, énorme équipe hollandaise. Voilà. Non, mais bon, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, bonnes vacances à ceux qui sont comme moi en vacances. Je vous dis à mercredi pour le match contre Manchester et surtout, n'oubliez jamais… Eh ben, est-ce que Sarr ne serait pas la pire recrue des 20 dernières années olympiques lyonnaises? Et pour le prix. Ciao les gones, ciao les fenotes, ciao, ciao. Ciao à tous, merci. Ciao.